Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il pouvait y avoir du bruit. Pour améliorer le comportement de notre bouton poussoir qui a du bruit mécanique, on a ajouté des variables pour stocker des durées. On s'est inspiré de l'exemple dBounce proposé par Arduino dans un fichier exemple digital. L'idée est de mesurer le temps à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. Grâce à cela, on va pouvoir filtrer tous les petits soubresauts et le programme va marcher comme si le bouton était idéal. La seule différence, c'est qu'il va falloir appuyer plus longtemps sur le bouton pour éviter qu'il confonde le bruit et lorsqu'on appuie vraiment sur le bouton. On va téléverser le programme et l'essayer. Maintenant, on va essayer sur le vrai circuit, sur le circuit réel, et on peut voir que le bruit mécanique est filtré et que notre circuit fonctionne mieux. Merci de votre attention.